L'année liturgique est centrée donc autour de deux grands cycles, sur le cycle, donc un cycle général de l'année liturgique qui a deux pôles, donc le pôle autour de la fête de Noël et le pôle autour de la fête de Pâques, donc tout le cycle de Pâques. Donc le cycle de Noël, ce sont les mystères joyeux de la vie du Christ, donc qui commence avec l'Avent, qui nous prépare à la fête de Noël. Puis ensuite vont venir les fêtes qui suivent, donc la circoncision, la purification. Ensuite, le cycle de Pâques, donc qui est la fête principale de l'année liturgique. La fête de Pâques, elle, est mobile, va dépendre de la lune. Donc tous les années, elle va varier entre fin mars et fin avril. Donc le cycle de Pâques commence par un temps de préparation avec la Septuagésime, le carême, un temps de pénitence pendant le carême qui nous prépare à la fête à la semaine sainte et à la fête de Pâques. Donc la semaine sainte, c'est la semaine principale de l'année liturgique qui nous rappelle la passion du Christ et sa mort. Donc le vendredi saint, le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, de la messe, du sacerdoce. À la fête de Pâques, donc, nous fêtons la résurrection du Christ et suivent les fêtes, les mystères glorieux de la vie du Christ, donc avec l'Ascension 40 jours plus tard et la Pentecôte. Enfin, l'année liturgique s'achève avec tous ces dimanches après la Pentecôte, donc qui peuvent aller jusqu'à 28, et qui marquent vraiment la marche de l'Église vers le ciel, donc qui s'achève au dernier dimanche après la Pentecôte, dans la vision du jugement dernier, donc c'est l'évangile de ce dernier dimanche après la Pentecôte, où l'Église nous fait méditer sur le jugement dernier qui clôture la vie de l'Église.